Voici Queenstown, en Ontario. Il y a 200 ans, ce décor paisible était une zone de guerre. Les Britanniques et les Américains se battaient pour cette région de la rivière Niagara. Et cette petite maison abritait l'une des figures les plus héroïques de l'histoire du Canada. Nous avons eu beaucoup de chance, puisque nous avons pu tourner toutes nos scènes dans la maison où Laura Secor habitait, à Niagara, tout près du champ de bataille où son mari a été blessé. C'est ici que Laura Secor, la douce épouse d'un soldat britannique, passera à l'histoire comme personnage important de la guerre de 1812. 200 ans plus tard, EQHD recrée ce chapitre sanglant de l'histoire du Canada. Nous voulions présenter 6 personnages marquants afin d'illustrer l'ampleur de cette guerre. Nous avons choisi Laura Secor, qui aurait prévenu les Britanniques d'une attaque américaine. C'est une page de l'histoire très controversée, mais il s'agit d'un événement bien connu des Canadiens et nous voulons en présenter les détails. Ayant entendu les Américains qui occupaient sa maison alors qu'ils discutaient d'une attaque imminente, Laura Secor a quitté ses enfants et son mari blessés pour sonner l'alarme auprès des troupes britanniques. Pour ce faire, elle a dû traverser les lignes ennemies et risquer sa vie pour sa patrie. Laura Secor a démontré le rôle que les femmes ont joué dans cet environnement. On peut ainsi se faire une image de la vie quotidienne des gens durant la guerre. Elle a pris les choses en main et elle a simplement accompli la tâche. Laura Secor était une vraie fonceuse. J'étais un peu intimidée et nerveuse à l'idée d'interpréter un personnage si remarquable. J'ai consacré beaucoup de temps à la recherche et au scénario, beaucoup de temps seule, afin de m'y préparer. Elle était extrêmement brave, extrêmement forte et courageuse. Les Canadiens sont très fiers de la guerre de 1812, mais ils sont peu informés, ce qui est dommage. C'est vraiment ce qui a donné lieu à la création de ce pays. Je crois que nous réussirons à présenter la vérité, mais aussi à montrer des actes d'héroïsme durant une période difficile de l'histoire mondiale.